Les routiers poursuivent leur mouvement après le marché de gros de Corba hier. Plusieurs dizaines de professionnels du transport bloquaient ce matin les accès au port Édouard Herriot. Réclamant une hausse de leur salaire, ils souhaitaient ainsi faire pression sur le patronat alors que des négociations se sont ouvertes aujourd'hui à Paris. Une action qui a provoqué quelques tensions avec les non-grévistes. T'es content de ton salaire ? Oui, je suis content. Ah, putain, alors, on a changé de métier. C'est un peu tendu avec les confrères. Certains confrères ne comprennent pas. Certaines entreprises ne sont pas impactées par les transports polonais. Effectivement, ce jour-là, quand ils seront impactés, ils comprendront. Face à ces altercations, la police a exigé vers 9h30 la levée du blocus. Les manifestants ont ainsi décidé de retourner à Corba pour y distribuer des tracts. Il ne faut pas qu'on lâche cette pression qu'on a mis depuis hier. Il faut que nos revendications, elles puissent passer. Il faut que les fédérations patronales viennent à la lumière du jour. Il faut arrêter de croire que le transport routier marchandises... Je ne pense pas que les salariés puissent vivre avec les salaires qu'on nous donne actuellement. L'intersyndicale à l'origine de la grève devrait se réunir ce soir pour décider de la suite du mouvement.